Ah, attention les stations fréquences pour le QSO national du 427. Alors on est samedi, après un fou départ, on est samedi 13 août 2016. En avant les stations. Alors, présent sur la QRG, Daniel 92, bonsoir à tous. Ah, les 73 Daniel 92, les 73 Eric. Ah bon, t'as de la somme du à ton côté? J'ai rien moi là, moi ici là. Oui, non, mais là moi j'ai un ciel là pour moi. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Michel également. Oui, j'ai eu Michel pour entrer dans le vif du sujet. J'ai entendu ton message, mais j'étais en train de noyer les mouches à ce moment-là, à Chy. C'est pas grave. J'ai contacté la personne qui a son relais sur Toulouse. Donc, alors, des contacts radiques. Il est prêt à t'aider éventuellement et à te conseiller. Ok, ouais, je vous ai entendu tous les deux. Mais disons que pour faire le même système que les ON de Toulouse, déjà côté internet, il me faudrait du haut débit. Et moi, c'est pas le cas. Si j'installe un truc comme ça, là pour le coup, je plante complètement internet là de mon côté. Voilà, et puis bon, j'imagine qu'en plus de ça, ça doit coûter quand même, et ça doit, il doit y avoir un coût, et que je peux pas de toute façon là, supporter de mon côté. Eric est complètement surmodulé de son côté, là, Michel. T'as pas un aspirateur des fois qui traîne, un chi? Non mais ça, il n'y a pas de problème, Michel, il n'y a pas de problème. C'est vrai que il y a déjà, on en a parlé hier soir en plus, Cédric du BARP, là, qui me l'a également proposé, hein, y a, voilà. Il y a Daniel 92, là, qui est en portable, sur en station portable sur le département 24. Je ne sais pas si tu vas l'entendre, là, Michel. Retour, Daniel. Bonsoir à tous. Alors effectivement, il y a de la surmodulation, de la provenance, de la modulation de fréquence. Et par moment, moi, je n'entends plus personne à part toi, bien sûr, Rémi. Alors je salue toute l'équipe, toutes les stations qui sont à l'écoute et je repasse en stand-by. À toi. Ok, bon, je vais regarder vite fait là sur le 27-270 là, pour voir ce que ça donne. Bon, ok, sur le 27-270, il y a une balise là en ce moment dessus, alors c'est pas plus propre non plus. Oui, Eric? Bon, apparemment, Eric n'entend plus personne. J'ai cru reconnaître le Roger Beep de Christophe de Longuaran. Oui, c'est 73, Christophe.
crois qu'il y a Jean-Marie qui vient d'arriver. Jean-Marie, eh bien, ok, Jean-Marie, Belphégor, c'est-à-dire 14, Juliette, Mike, Charlie, 73, c'est ça? Eh bien, 73-51, toi, Belphégor, content de t'avoir dans le QSO, malgré que là, c'est, la fréquence est vraiment pas très propre, hein, puisque Eric, 14-8 ans, Echo 27, hein, lui, a de gros soucis de son côté. Il est complètement, complètement noyé dans la moustache. Ok, merci. Ben, toi, là, maintenant, là, je suis avec le CRT SS 7900. Et c'est vrai que côté modulation, là, c'est déjà autre chose. Là, ah, chi, il marche bien, quoi. oui, Daniel 92, tu as les 73-51 là, de Belphégor. Retour à toi, Daniel, si tu arrives à l'entendre. Difficilement avec la surmodulation, mais bien sûr que je l'entends, le grand zinzin là-bas au loin, là, avec montée des directives, des filaires et des machins. Et c'est maintenant qu'il arrive, le gazier, là. Et putain, bah, il m'entend ou pas, là? Samedi prochain, je serai retour dans mes foyers. Reçu ? C'est un message reçu, Daniel. Retour. Rémi, à toi. Ok. Thierry, Libourne, est-ce que tu es parmi nous ? Putain, j'ai une espèce de surmodulation là derrière. Bon, c'est pas très épais, mais suffisamment bruyant pour me cacher les éventuelles stations qu'il y a derrière. Oui, j'ai dit tout à l'heure, il m'a semblé entendre Christophe de Langoiran. Il m'a semblé reconnaître ce Roger Bip. Christophe, tu es là? Ouais, affirmatif. Et puis en plus, Eric, attends, je regarde si le 270 est perturbé. Je vais regarder sur le 280. De mon côté, ça se tient, le 280 est même plus perturbé. Eric, de ton côté, on reste sur le 275 ou 270? Regarde pour voir un petit peu ce que ça donne. Bah, on va diviser rouge avec la femme. Sur le 280, c'est pas bon, là, de mon côté. Tu veux qu'on passe tous sur le 27-270? Ok, si ça peut t'aider, Eric, pour que tu puisses faire le QSO là plus facilement avec nous, il n'y a pas de problème, au contraire. Hein. Ok, mais 270, pas de problème. Ok, Chameau, on décale en dessous, on va sur le 27-270. Voilà, tout le monde sur le 27-270. Belphégor, si tu m'entends dans le lointain, bah oui, tu m'as dit que tu m'entendais. Le 27-270, ça a l'air d'être plus calme. Voilà, ok. Alors donc, Eric, voilà, je parle un petit peu. Bah oui, non mais n'importe quoi. Chameau, c'est plus, il y a Chameau qui vient d'arriver dans le QSO. Les 213-51 Chameau, content de te compter parmi nous. Alors, pour que tu puisses me clarifier, enfin te caler correctement sur moi, oublie le fréquence-mètre. Cale-toi à l'oreille comme ça, là, sur moi.
Donc on a Daniel 92 qui est en vacances sur le département 24 et qui lui est du 47 de mémoire. Il y a bon Eric 148 Eco 27 qui est là. Il y a Michel la tour de contrôle qui est là. Il y a Jean-Marie Belfegor 14 Juliette Mike Charlie 73 du département 47 qui est là aussi. Et puis bien sûr moi, retour de micro sur Eric pour voir un petit peu ce que ça donne de ton côté. Et 73 de Coyote, justement, je l'attendais avec impatience, Hachi. Voilà, je suis arrivé, j'étais là, voilà, bon, je vais juste un petit bonjour à tout le monde, voilà, bon santé à tout le monde, et je vais repartir, voilà, je finis de faire ce que j'ai à faire dehors, et voilà, la cucaracha qui chante derrière moi, oh là là, c'est qu'à ce coup, là, j'ai quelqu'un à la maison. Ok, ça marche. Retour Eric pour Yachamo qui est arrivé aussi là dans le QSO. Salut Chamo, salut j'ai plus qui c'est qui a vu Michel, salut aussi, et puis je sais plus qui c'est qui a le 92, j'ai ça aussi, et l'autre station, je sais pas qui c'est, j'ai pas le droit. Oui, alors il y a Belfegor aussi là qui est parmi nous, retour Chamo. Ben, tu verras dans la vidéo, passer plus fort, c'est difficile, Hachi. Ok, les stations au loin qui n'auraient pas entendu Chameau, voilà, il fait juste un bref passage histoire de nous dire bonjour là dans le QSO, mais hélas, il est au pro. C'est bien sympa, c'est sympa d'être venu là, de nous faire un petit coucou, Chameau. Ouais, Ok, Eric, est-ce que tu as réussi à entendre Chameau? Ok, Daniel 92, retour à toi pour Chameau. Ok, je salue Florent, mais 73, très bonne soirée et bonne activité professionnelle, dont je, peut-être dans la nuit, je ferai un petit passage. Voilà, Florent, à toi. Ok, d'accord. Est-ce que Delu 33 est parmi nous ce soir? Ouais, la station en avant. Je vais pas être temps de clarifier. Ouais, le siffleur en avant. Oui.
Oui, deux secondes, le siffleur. J'entends quelqu'un parler, mais c'est très, très QRP de mon côté. Eric, est-ce que tu arrives à entendre la station qui parle derrière? Ok, d'accord. Bon, le siffleur, en avant, les 73 du groupe. Bon, d'accord, c'est pas grave. Christophe Langoiran, est-ce que tu es là? J'ai pas entendu Christophe, enfin, il est pas loin de moi, mais chez moi, mais j'ai pas entendu. D'accord, bon, je me suis trompé, c'est pas lui que j'ai entendu. Il m'a semblé reconnaître sur Roger Beat tout à l'heure, mais bon, visiblement, non, c'était pas lui, quoi. Ouais, ouais, Santiago 7 sur de mon côté. Ok, retour de micro sur Belfegor. Qu'est-ce que tu deviens là depuis? T'as réussi à faire de bons contacts? Ah, j'entends plus. Attention Belfegor, est-ce que t'as réussi à faire des bons contacts là ces jours-ci hein? Oh, Daniel, tu l'entends, Belfegor? Moi, je l'entends plus. Hein. Non, je ne l'entends plus. Je relance un appel vers Jean-Marie. Jean-Marie, tu me reçois? Ok, d'accord. Ben là, c'est, ça, là, tu m'arrives là ici avec un bon, avec un signal de 5. C'est, j'ai le même signal au niveau QRM, HI. Alors j'ai intérêt à bien tendre l'oreille là si je veux pouvoir t'entendre. Ok. La tour de contrôle. Est-ce que tu entends Belfegor là-bas sur le 47? Ok, Belfegor, est-ce que tu as reçu la tour de contrôle? Alors, ne cherchez pas si je suis mort, si je suis...
suis interné à la Candélie. Non, non, c'est pas la peine. Je suis dans le... Là, je suis dans le 24. Et demain matin, je fais dans le... Demain matin, je fais dans le 33. Puis je reviendrai dans le 24. Voilà, parce que je fais les deux. Je fais les deux départements. Le 24-33, c'est pour ça que je dis le 24-33 portable. Bon, allez. Je vais pas vous tenir longtemps les guibolles. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis je vous dis certainement à fois prochaine en vous souhaitant un bon week-end à tous. Par contre, j'aurais une question à poser à l'ami Rémi. L'OM qui se prénomme Tour de Contrôle, est-ce que c'était autrefois un opérateur de l'aviation civile au Tour de Contrôle? Oh là là! Alors, la Tour de Contrôle, son prénom, déjà Michel. Ça va peut-être t'en dire un peu plus. Eh bien, je lui laisse le plaisir de te répondre. Michel, est-ce que autrefois tu étais dans l'aviation civile? Voilà, enfin, je pense que de toute façon tu as entendu. Oui, mais bien sûr que tu as entendu la question de Daniel. Retour, Michel. T'as une modulation excellente, hein, Daniel. Ok, Daniel, les bonnes sont 13-51, toi, retour à la Tour de Contrôle. Ok, retour de micro sur Eric. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu. Ok. J'espère que la tour de contrôle va bien. C'est pas le problème, il n'y a pas trop de vent, donc elle ne bouge pas la tour de contrôle. Mais par contre, la tour de contrôle, on tout à l'heure, sur la pièce. Alors là, on entend du tout, même la surmodulation va y faire. Retour à toi. Oui, mais
Michel, voilà. Non, mais c'est pas le même Christian, hein. Voilà, c'est un autre Christian, voilà, qui se trouve du côté de Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, voilà, Christian, t'es là? Ok, Thierry, tu connais l'indicatif de Christian? Il n'a pas d'indicatif. Il n'a pas d'indicatif, c'est juste Christian, ouais. Voilà, c'est Christian, cette fois-là, voilà, voilà. Et il m'a dit qu'il devait faire un tour, alors bon, mais voilà. Je ne sais pas s'il est derrière ou quoi, parce qu'il avait un problème à son antenne, un problème de réglage d'antenne. Alors voilà, il allait voir. Non, je ne sais pas s'il est là. Tu le connais, toi, Eric, Christian, cette fois? Ok, ouais, moi c'est pareil, mais ça fait des lustres et des lustres que je l'ai pas entendu. Hein. Et vu comment c'est foutu, moi, là, au niveau du QRA, avec la colline qui me fait écran côté 24, c'est vrai qu'il est toujours passé très QRP, moi, ici. Moi. Ça c'est sûr.